à la fin d'un banquet fort long. Après avoir bu comme quatre, Sébastien Faure et Monsieur Drummond se disputaient prêts à se battre. C'était à propos d'un petit, d'un tout petit fromage à la crème. Il était si frais, si gentil, que tout le monde voulait le manger soi-même. Père Drummond s'écria soudain, pour que la discussion s'achève, le fromage serait demain matin à celui qu'aura fait le plus beau rêve. Ils se couchèrent, mais dans la nuit, Sébastien trouva bien plus sage de se lever seul et sans bruit, puis d'aller boulotter le fromage. Le lendemain, quand le père Drummond s'éveilla dès la première heure, il secoua son compagnon qui ronflait comme un sénateur. Puis il dit d'un air important, « Mon cher, tu as perdu d'avance. Je viens de faire un rêve épatant. Écoute-moi ça, oui, je commence. Je dormais quand je vis le ciel s'entrouvrir, et le bon Dieu parmi ses anges me faisant signe de venir afin de chanter ses louanges sur un gros nuage de feu. Deux aigles royaux, magnifiques, m'emportèrent vers le ciel bleu au son d'une douce musique. Ça, par exemple, c'était patent, dit Sébastien d'une voix brève. Précisément à cet instant, je commençais aussi mon rêve. Mais lorsque je t'ai vu partir vers le ciel bleu sur un nuage, j'ai cru que tu n'allais plus revenir. Alors moi j'ai mangé le fromage.